C'était pas forcé. Happy. Bon les amis, c'est l'heure de la vidange. Putain, c'est quand même bien noir. Je fais un zoom dessus. Fin. Regarde la limaille. Tu vois, ça va vite. Attends, quand même. Mais... Pourtant, on a 5 heures, frère. Focus, bouge pas. Et comme quoi, les gars, les motocross, 5 heures les vidanges. 5 heures direct, tu fais une bonne vidange. Ah, voilà. T'es tranquille. Bon, je l'ai. Voilà. J'aurais été médecin, mais je déteste les aiguilles. Du coup, je préfère vous annoncer parti peu à 19h avec notre ami Gérard Dormigoté. Et dans un instant, le son d'Enflore de la merde. À ce qui paraît, avec les bulles d'une vidange, genre quand l'huile elle coule dans la casserole, tu vois, il y a des bulles. Ouais. Il y en a, ils arrivent à découvrir des pannes et tout, genre. C'est des trucs de dingue. Bah, moi, il y en avait quand j'ai fait la vidange là. Moi aussi, il y en avait masse, hein, mais en masse. Toujours faire chauffer un moteur, les gars, avant de faire la vidange. Ouais, j'ai jamais fait, ouais. Ouais, j'ai jamais fait, ouais. C'est pour ça que t'as rien. Tu peux? Bah ça coule presque plus là. Mais ça, attends, je suis un peu en dessous là. Mais je la tiens. Attends, je la tiens. Non, moi aussi. Avec mon gros dos, tu sais, le gros dos là. Lâche un peu. Je sais pas comment je tiens beaucoup là. Non, mais tu peux l'enlever. Okay. Ouais, tu tiens beaucoup. Ouais, tu te dis beaucoup. Ouais, le gros dos. Bien assez, tu crois, non? Vas-y, lâche tout. Lâche tout, suis avec le bol. Je vais vraiment la coucher. Ah, tu l'accouches? Ouais. Ah bah gros, il y aura le calcul. Allez, bouge-toi. Ah, c'est l'essence qui coule en fait, il n'y a plus de nuit. Je reviens. Go. Ça coule là, ouais, c'est vrai. Les gars, du coup, maintenant que l'huile est vidée, je m'attaque au remplissage. Je suis dégueu, regardez. Mon autocollant moto. Ouais, donc ça du coup, on a pris le doseur. Casse-toi! On a pris le doseur avec. Hop! On a bien nettoyé ici. Tout l'huile est vidée. J'ai même nettoyé le bidon, les gars, je supporte pas, c'est dégueulasse. Alors j'ai mis ça. 10W50 Motorex. Pizzi. Mais ta gueule, c'est pareil! Regardez la belle huile, les gars. Ah, c'est ça, tu s'en prends le focus parce que. Du coup, on va mettre 500. Ensuite. On regarde le plan, mec. Ça, je peux pas. Oh, ouais. Oh, c'est bon. 500 ml. Et ensuite, 300. Allez, viens là, mon bébé. Oh, qu'est-ce que je t'aime. Oh là là. Bois ça, la bonne huile toute neuve. J'espère que ça va te faire bien paisy, ça aussi. Oh, l'odeur, ça rappelle trop ma derby, gros. Et l'orange 300, c'est ça? Ouais. Ok. Donc les gars, pour info, c'est 800 ml pour une 250 SX 2019. Et c'est de la 10W50 qu'il faut pour le moteur. J'ai regardé sur la fiche sur internet. Donc là, 300, et d'accord. Oh, l'huile, quand elle est neuve comme ça me fait un... Et gros, c'est dur. C'est trop satisfaisant, je sais pas. On va pas démarrer tout de suite parce que... on a bien tout serré. Ici, c'est resserré. 800 ml d'huile. On va pas démarrer parce que l'essence elle est vide. L'essence est vide. Enfin, la cuve est vide. Charco mec, mes legs. Maintenant que la vidange est faite, je vais m'attaquer avec Bécure. Qu'est-ce qu'il y a, mon cousin? Elle m'en rend. Ah, tu m'as fait Bécure, les gars, il fait sa petite vidéo sur le côté. Ah là, c'est encore kill, bon petit zine. Tu filmes pas là? Si, c'est éteint. Si, je filme. C'est encore kill, bon jeune homme qui lui prête sa GoPro pour qu'il fasse sa petite vidéo. Happy. Et c'est plaisir. Bon, moi je m'attaque tout ce qui est boîte à air. Donc ça va être du démontage, nettoyage, graissage, etc. etc. Et ensuite, je vais faire tout ce qui est sur la fourche là. Je vais remettre tout ce qui est pompe à fourche, ton bordel. Si, hein. Et je vais aider Bécure entre deux. Ouais. Tout de suite, je cherche un récipient pour mettre du White Spirit. Je vais essayer de vous écouter. Je vais mettre du White Spirit et bien souffler la soufflette après. Parce que vous m'avez dit ça du coup quand j'ai mis de l'essence. Un jour, on me dit on met de l'essence, sais-tu? Je mets l'essence, vous me dites non, White Spirit.
Bah, je vous écoute. Allez, go. Chier. Du coup, on a pris ça. L'outil que j'ai ramené, quoi. Ah, nickel, hein. Pas là, faut que tu tiens avec eux, je pense. Bah. Attends, je vais bien le serrer. Oh, ça... Putain, j'avoue, c'est pas mal, hein. J'espère que ça va pas partir, mais. Bah, ça va partir, je pense. Attends, en plus, j'ai l'air d'arriver tout seul. S'il se cale tout seul ou quoi. Mais bon. Au mieux que tu le tiens, quand même. Hein. Oh putain, on aurait dû faire le tour et le caler là. Au pire, fais-le, hein. Ce sera plus simple, non? Comme ça, personne va se faire mal. Ah putain! On t'appelle, je crois. Attends! Ah, le mollet! Ah! Faut que tu le tiens. Qu'est-ce qu'il y a? T'as bien aimé la guise? Non, moi j'aime bien que les saucisses, pardon. On va bien manger. Quoi? On va bien manger. Quoi? Non, t'inquiète. Vas-y, pose le tel BQ et on va tenir. Oui, bon. Oui. Ah non, on sera déjà à 30. Ah les gars, souvent vous me demandez pourquoi je fais des vidéos de 10 minutes. Parce que si je mets trop, ça va faire des vidéos d'une heure. Les 10 minutes, c'est toujours mieux sur YouTube, ça c'est. Pourquoi? Bah, parce que c'est un nombre pile, du coup YouTube ils pensent que tu vois c'est. Là, ils disent ah c'est des gens bien, ouais, ils font pas trop chier et tout. Ouais. Tiens. C'était pas prévu ça. Vas-y, profites-en, mets-le sur le caclier. Oui. Garde ton calme, Hugo. Ta gueule. Fais ça, fais ça. Ah putain. Arrête. C'est pas mal cet outil, hein. Ouais. Je sais pas si ça sera cool, mais. Bah, je sais pas ça. Bah, sûrement. Mais tu vas me tuer. Qui ferme ta gueule. Vas-y, dis-le. Ferme ta gueule. Je t'en prie. Wesh. Ouh. Ils ont. Non. Ça comment gros? Eh j'espère que ça s'est pas soudé en fait. Non mais je pense que... Filme bien. Mec. Là tu fais le mec avec tes gros 1, mais gros là c'est le moment de sortir, tu vois, y'a plus personne là. Ah quand c'est le moment de sortir avec gros 1, y'a plus personne hein. Ah quand c'est le moment de sortir avec gros 1 là. J'ai peur de glisser. Tu as coupé mon montage gros, pas sorti. Ah oui c'est ça que t'as dit, non t'as coupé je sais pas pourquoi. Attends, elle bouge un peu la moto là. Oh! Linux et les lignes de style, c'est mon flow. Evix de redéfaut. Il a réussi le cucu. Vas-y, il refait là. Il a réussi, merci gros, tu gères gros. Vas-y, moi je. T'es un bon petit zine. Non, t'es un bon. Tu manges juste fort toi au fait? Oh attends, plan stylé, attends. Ah, tu m'en veux, attends. Donc là on a une rondelle. Je nettoie tout de suite, direct. Ouais. La noix. Attends, je focus. C'est bon. Bah elle a l'air bien. Bah jusqu'ici... Tout va bien pour l'instant. Attends, laisse-moi le temps de... Filme bien, fais des plans. Et ça commence à... Pense aux miniatures, Baker. Si t'es un bon youtubeur, tu penses aux miniatures. Tu vois, tu penses au titre, découverte sous moteur de Bécure, donc... Avec la SX derrière. Oh là, miniature, tu vois, c'est fait. Moi, je rigole. Attends, je fais que ça là, du coup. Oh, les couleurs, mec, c'est rien à voir, gros. Ah, bon, gros. Ouais. Ouais, c'est beau, hein. Ah ouais, c'est magnifique. Ouais, c'est trop bon, gros. Ouais, il mange chez moi, Bécure, qu'il a... Et il me dit quoi? Je dis, ouais, Bécure, t'as une mauvaise haleine. Il me dit, ouais, j'ai pas mangé la journée. Du coup, je dis, vas-y, on mange chez moi. C'est vrai. Attends, mais on aura pas trop les mêmes vidéos en fait là, quoi. Non, mais vas-y, c'est bon, je sors en premier. Non, ouais. C'est rien que je parle que toi. Bon, vous êtes prêts? Et je crois pas que ça se retire comme ça. Ah, si. Et bah, en vrai. Et bah, gros, y'a moi, c'est juste l'embrayage, gros. Ça, c'est pas marqué. Bon, la cloche, elle est hyper marquée par. Ouah, quand on va. Ouais, on va le limer, ça. Ça, on va le limer. Et le focus il galère. Ça fait meurtre. Ouais. Parce que là tu vois. Attends, je il reste de la garniture, fais regarde. Le focus. Tu vois mon ongle. Ouais, il reste de la garniture, on mais est d'accord. Est-ce qu'il reste assez de garniture? Je sais pas. J'ai perdu, on te montre le SX. Et tu sais qu'on aurait dû regarder vite fait. Hein. Trop tard, j'ai vu dans le jeu.
On leur fera la coucher. Oh non. La mienne, enculé. Oui. Bah quoi non. Ça va être le sbul, non. Aura, ça va couler. Regarde, t'en penses quoi du disque d'embrayage? Hein? L'usure. J'ai pas de bulle. Je me rappelle même plus, moi, comment... Pour moi, en vrai, ça va, il est pas... Mais quoi, déjà? T'as fait... non. Hein? Quand je disais... Ouais, je suis rentré l'épée plein de merde. Ah ouais, c'est... Ah ouais, t'arrives en retard, non, t'arrives en retard, t'arrives en retard, je me suis même pas les pieds. J'ai le chuchot pissé partout. Ouais, coco. Bon, les gars, du coup, avancement un peu. On a tous les 10 d'embrayage là, mon copain. J'ai tout nettoyé. J'ai tout nettoyé. Ouais, Hugo, il dit 3 saucisses. Bon, moteur, il a l'air propre, les gars. Bon vécu en attendant. Vous savez ce qu'il m'a dit, les gars? Un truc de dingue. Non, là, la honte, mais la honte. Tiens, mets ça là. Attends, je peux le souffler. Casse-toi, casse-toi. Oh, oui, non, ouais. Ah non, attends, mais non. T'es sûr que tu veux le dire parce que tu... Arrête. Du coup, viens, mec, on doit dire un truc. Viens, donne. Non, mais je veux le souffler. Pourquoi? Bah, comme ça, c'est bien. Mais non, on doit quand même le nettoyer. C'est bien, tu vois, il n'y a pas de roulement. Parce qu'en fait, on met de la limaille partout. Baker, je vais lui donner une lime. Attendez. Regardez, vous voyez, vous voyez tous les marques là. C'est un beau prénom ça. Bon bref, c'est hyper marqué, vous voyez tous les coups. Ouais là. Ça faut le limer. Tu vois ça fait des vagues. C'est les coups d'embrayage. Et ben, ça c'est parce que je vais trop à fond ça je pense. Et ben ça c'est quand j'ai pris sa bécane, j'étais à fond. Du coup il va la limer, il va la mettre dans l'étau et on va limer. Ensuite on va manger des petits barbecues les potes et on se reprend après. Ah, écoutez le bruit. Tu vois. Attends je fais le focus. Tu vois t'as plus aucune vague, presque. Insiste pas trop, hein, faut enlever un petit peu. Tu vois, c'est tout. Nickel. Donc là, il n'y a plus de marque, celle-là. C'est de l'alu, vécu, donc ça part super vite. Ah, le bruit, j'aime pas. Oui, mais ton moteur, il aimera bien. Quand tu l'as bien mis, quand tu l'as fait, tu vois, elle s'est fait. Elle s'est fait et t'enchaînes. Comme ça, t'es organisé et t'en oublies aucune. Je te laisse faire, moi, je repars à mes occupations rapidement. Super bon. Bon appétit frérot, on vous aime. On va se poser une culture. Il a pris une bière, regarde. Il a pris une bière. Avec sa bouche. Je suis pris en photo par les keufs, je suis comme une égérie. Non, c'est rigolo. Les potes, on a bien mangé, on s'est rassasié. Baker en train de limer son truc. Pour ma part, maintenant que j'ai fait la vidange motorex nickel, et je me répète, je sais, c'est la vingtaine. On se passe au filtre air, les amis. Le poumon de la moto. Donc, par contre, j'ai pas de wash spirit. Du coup, je vous écoutais quand même, ce sera de l'eau et du PEC Excel. Et ensuite, bien rassasié à l'eau. Et ensuite, à la soufflette. Pizzy. Donc là, avec une seule sortie, regardez l'état qu'il a. Putain, mais... Oh! Attendez. Ouais, y'a rien! Une technique ou quoi? Ça, là, putain, et une sortie. Mais en fait, c'est toute la poussière, c'est pour ça. Tous les sorties, les gars, tout ce qui est poussière, sable, c'est filtre air, c'est tous les sorties. C'est con, j'ai pas ma chaussette, je l'aurais mis, sinon. A tout de suite, pas de taille! Ah oui, non, j'ai fait celui de Bécure aussi en même temps. Comme ça, ce sera fait. Allez, cure. Ouais, y'a rien, gros. De monter une dernière, là. Merde, on est 4 négros dans le putain de 4-4 là, c'est pas que date. Mon gars. Vas-y, regarde. Vas-y, prends-le. Ouais, non, mais là, il est nickel. Il fait tous les. Ouais, mais cure, il fait tous les sorties. Ouais. Les deux au bas gauche droite, puis dans la trappe, dans la boîte cœur. Là, faire gaffe, il y a rien qui est. Voilà, vous avez vu la graisse à quoi ça sert les gars? Piki, picam, pizzi. Hop, je suis une néo. Bon ça les gars, c'est bien aussi de nettoyer. Hop, je vais mettre les deux fils direct dans l'eau. Mais que, on a jamais nettoyé son filtre air, hein? Non. Et toi peut-être tu vas tout le temps quoi. Ah oui. Ouais, zizi. Bon, il nettoie. Thank you.
nickel là, tu vois. Regarde, ça c'est moi. Filme bien, filme bien. Ça c'est moi, ça c'est moi. Et ça c'est Bécure, regarde toutes les traces. N'hésite pas, ouais, on voit bien. C'est bon, lisse, mais il y a encore un peu de marque. Tu peux aussi montrer les pitrailleurs que j'ai fait. Bon, ils sont pas encore huilés, mais ça arrive, on parle. Non. Montre ce qu'on va mettre sur le pitrailleur, c'est bien ça. Ciao, like, abonnez-vous et on est parti pour la suite.